premier jour du mois de novembre entre nous M. Edouard Mokendibia, ministre provincial des Mines, Boulogne-Calvi et fonction publique, absent, sortant. D'une part, M. Gilbert Timan, Mouamba, ministre provincial des Mines, Boulogne-Calvi et fonction publique, entrant. D'autre part, avons conformément l'arrêté provincial numéro 01/0110/CAP.gouv/KO/2022 du 26 octobre 2022. Nommé le 26 octobre 2022 sur arrêté provincial du gouverneur de province Patrick Mathias Kabeyama Tshabidi, le tout nouveau ministre provincial en charge de mines, hydrocarbures et fonction publique a pris ses fonctions mardi 1er novembre 2022. Docteur Gédéon Gilbert Timanga Mouamba succède à M. Edouard Moulumba, ministre sortant. Présidé par le secrétaire exécutif du gouvernement, Docteur José Casimir Nkongolo, qu'assistait son collègue Léon Chimpaka, en présence du délégué de l'inspection de la territoriale Poule 5 et d'un échantillon d'agents du cabinet. La lecture du procès-verbal, suivi des signatures, ont marqué cette séance qui s'est tenue au cabinet du ministre sur Kassengoulou, à l'ancien bâtiment du gouvernorat. Le nouvel entrant est une figure bien connue de la province, médecin retraité de la MIBA, inefficacité doublée d'une logique pétrie dans le savoir-faire et le mieux-faire, parcours académique et professionnel élogieux, expérience avérée, Dr Gédéon Gilbert Timanga Mouamba est l'un des combattants de l'UDPS de la première heure. Dernièrement, président de la CENI au sein de ses partis politiques, Fédération urbaine de Mbujimayi. Pour ses nouvelles fonctions, il dit son attachement au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, sa reconnaissance au gouverneur des provinces et au vice-gouverneur, avant de promettre sa franche collaboration à ses collègues les ministres. Je remercie personnellement le gouverneur de province, son Excellence M. Kabeyama Tshabidi, qui a voulu et qui a tenu à ce que je puisse occuper aujourd'hui le poste ministériel de mines, hydrocarbures et fonctions publiques. C'est pour nous mettre dans le droit chemin de la vision du président de la République, qui est le peuple d'abord. Et dans cette vision, le peuple ne peut pas se retrouver tant que nous, qui sommes le pourvoyeur de moyens au niveau de la province, en collaboration avec le ministère national des mines, hydrocarbures et fonctions publiques, que nous puissions travailler dans la paix, retrouver que nous puissions travailler dans la concorde, dans la collaboration et dans une communication saine. C'est pour cela que nous avons accepté d'occuper ce poste et que nous avons promis, dans la confiance, de travailler et de mériter la confiance que le président de la République, que le gouverneur de province, le vice-gouverneur de province et les collègues avec lesquels nous nous sommes déjà rencontrés nous mettent à pied d'œuvre pour la réalisation de ce grand projet de société qui est le peuple d'abord. Ça veut dire si nous ne travaillons pas d'une manière saine, si nous ne produisons pas, si nous ne donnons pas au gouvernement provincial les moyens de sa politique, on ne saura jamais réaliser cette vision du président de la République. Travaillons ensemble dans le même esprit, mettant l'intérêt général avant le nôtre. Faisons-le selon la vision du président de la République afin de donner à la province et au gouvernement ce qu'ils attendent de nous en ce qui concerne la maximisation des recettes de l'État. Conseil du nouveau ministre à l'issue de la réunion de prise de contact avec un échantillon d'agents de son cabinet présent. J'invite les membres du cabinet qui sont là, en collaboration avec mes collègues du gouvernement provincial, que nous puissions travailler la main dans la main pour la réalisation de ce projet. Seul, je ne saurais rien faire. Mais avec l'appui de tous les collègues et de tous les membres du cabinet,
nous allons réaliser ce grand projet. Ce grand projet est assis sur le programme de notre grand parti, qui est l'UDPS. La séance photo pour immortaliser la remise et reprise, sourire affiché, tous ont souhaité bonne chance aux nouveaux locataires de l'hôtel du gouvernement.